Les paroissiens de Saint-Christophe d'Okala à Vorombam viennent de célébrer la fête de la Sainte Famille. Thème choisi cette année, la famille chrétienne, acteur d'évangélisation, un challenge de foi. Parmi les fidèles, Pélagie Mbouimba. Trois jours durant, adoration, louange, intercession et enseignement biblique ont retenu l'attention de ces hommes et femmes de la commission famille-éducation de la paroisse Saint-Christophe d'Okala à Vorombam pour célébrer la fête de la Sainte Famille. Le thème général retenu cette année, c'est famille chrétienne, acteur d'évangélisation, un challenge de foi. Au registre des enseignements, la mission pastorale de la famille, la communication dans le couple chrétien et l'éducation des enfants pour réussir dans la vie. Le couple qui s'appuie sur Dieu, qui base sa foi, sa relation sur Dieu, c'est un couple, malgré les vents, malgré les turbulences, c'est un couple qui sera toujours un couple uni, un couple qui va toujours affronter l'adversité. Dans la vision chrétienne de la famille, il y a l'enfant, il y a ensuite la mère, il y a le père. Or, la vision humaine, c'est que c'est le père, c'est la femme et c'est l'enfant. Or, ce n'est pas ça. Les parents de Jésus vont vers l'enfant. Et même les mages, tout le monde va vers Jésus, vers l'enfant. Parce que c'est l'enfant, comme dit Dieu à G9, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison, du premier temps. Et en fait, l'enfant, c'est la promesse de Dieu. La dignité et la responsabilité de l'homme et de la femme dans la création était également inscrit dans le registre des enseignements. L'urgence est celle de reconstruire cette famille. Et donc les inviter à se rapprocher un tout petit peu plus les uns des autres, essayer de faire en sorte que les uns et les autres apprennent à mieux se connaître en passant plus de temps et en s'accordant plus d'attention les uns aux autres. Des moments jugés sacrés qui ont permis de raviver les cœurs. Une messe écuménique entre catholiques et protestants a mis fin à ces journées d'amour, de paix, d'unité qui devraient représenter la famille chrétienne.